De retour dans un format journal de campagne, après 2 semaines de silence, silence relatif, dans la mesure où nous avons fait beaucoup de bruit, on a été extrêmement présent sur le terrain. D'ailleurs, ça s'est concrétisé par quelques petites vidéos sur le terrain pour accélérer, accentuer la campagne pour le premier tour des présidentielles, avec cette volonté de voir le 23 avril le visage de Jean-Luc Mélenchon figurer dans le duo qui s'affrontera pour le second tour. 2 semaines de terrain au cours desquelles on a pu voir sur Rouen, enfin, j'ai envie de dire, un collectif unitaire se mettre en place pour être ensemble dans la campagne. Collectif unitaire qui a bien sûr réuni les militants communistes, déjà nombreux sur le terrain, mais aussi les militants d'ensemble, des militants écologistes qui ont fait le choix de la raison, à savoir le choix de Jean-Luc Mélenchon. Et puis les insoumis réunis à Rouen dans différents comités de soutien et avec qui on a travaillé ensemble devant les bureaux de poste pour dénoncer des fermetures programmées, dans des déambulations hein, qui ont eu lieu les week-ends sur Rouen, notamment autour de Saint-Sever, et puis avec les insoumis, avec Ensemble, avec les militants écologistes, eh bien, on a préparé ce grand meeting qui aura lieu à la Lotoile jeudi 13 avril, demain soir à 18h30. Autour de Pierre Laurent, on retrouvera des porte-paroles, des insoumis, Stéphane Marteau pour les écologistes, Malika Zediri pour Ensemble, et puis Bruno Guyot, justement, hein, qui coordonne les insoumis à l'échelle de l'agglomération rouennaise. L'idée de ce meeting, c'est de marquer un grand coup à Rouen, comme a su le faire Jean-Luc Mélenchon au Havre il y a maintenant 2 semaines, de porter la parole de notre programme, celui qui va nous permettre d'avoir un avenir en commun au lendemain de ces présidentielles, un avenir en commun qui passe dans ce contexte mouvementé depuis quelques semaines sur le plan international, un avenir en commun qui passe par la volonté de mettre toute notre force militante au service de la paix. On a une situation qui s'est dégradée à la suite, hein, comme vous le savez, des attaques lancées par Trump sur la Syrie. Je ne rentre pas dans le débat aujourd'hui, hein, sur l'opportunité de ces bombardements. Ce qui est certain, c'est que la paix est en danger et que dans ce contexte des présidentielles, on a besoin de porter un homme qui œuvre pour la paix, qui a la paix au cœur de son programme. Forcément, cette paix, elle passe par le partage des richesses, elle passe par une éducation hein, qui fasse la part belle à nos enfants, elle passe par les services publics, par la santé. Je ne vais pas vous refaire tous les points majeurs de notre programme, mais on a besoin hein, aujourd'hui d'un homme qui est porteur justement de ce message, porteur d'un message qui annonce des jours heureux. C'est la conclusion qu'il a eue au Havre et dans ses débats présidentiels la semaine dernière. On a besoin de vous, de votre vigueur, de votre force de conviction pour aller chercher notamment tous ces abstentionnistes qui sont encore trop nombreux, pour ceux qui s'interrogent sur éventuellement un vote utile en direction du candidat Hamon ou du candidat Macron. Non, le vote utile le 23 avril, c'est bien entendu le vote Jean-Luc Mélenchon. Alors à bientôt et soyez énergiques dans les jours à venir.